Salut, zami mouen. Jodi a, nan numéro 179, nan rubrik nou an, ma Bible, mon trésor, nou poursuivons avec les rôles du mari dans le foyer. Nou te getan dire déjà que le mari est responsable de faire les planifications nécessaires pour combler les besoins matériels et financiers du foyer. Deuxièmement, le mari est aussi responsable de planifier l'épanouissement sentimental et sexuel de sa femme. Et Jodia n'a ajouté, la parole de Dieu nous dit dans l'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 5 au verset 25, « Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Bon, tant dat nou remè, mpa kwe yon moun te ka met lan tèt li, li kapab vin apren nou koman moun remè. Sauf, certainman, la parole de Dieu ki commande au mari d'aimer leur femme de la même manière que Christ a aimé l'Église. Et cet amour pour sauver l'Église, cette épouse qu'elle aime, a été prouvé. Christ a donné sa vie sur la croix pour sa chère épouse. C'est pas moi même qui a demandé pour arriver dans la dimension de l'amour ça pour madame. Mais un seul bagage m'a rappelé. Selon Matthieu, chapitre 19, verset 5, n'est-ce que tout bon vrai, madame Lian, li attaché avec elle, li associé avec elle, jusqu'à ce que yo deux ya yo tourné poisson crasé dans bouillon. Selon Proverbe 5, verset 20, nèg ki reme fòm li tout bon, pap janm aksepte gon ti fòm sou kote. Ou bien, bay opportunité pou yon lot fòm okupe nan la vil, plas ke madame officiel et légitime nan okupe nan la vil. C'est-à-dire, dans mon esprit et dans la pratique, j'ai pour devoir de rester fidèle à ma femme. Selon Proverbe, chapitre 31, verset 28, 29, nèg ki reme madame li tout bon, c'est pas Dieu là non, mais l'observe avec toute ti occasion pour le faire bon gens éloge pour madame li. Témoigner toute bonté, li joindre la caille femme ça qui sont trésors de la part de Dieu. Selon Hébreu 13 verset 4, nèg ki reme madame li tout bon, li pa jam al souiller le lit conjugal. Selon Colossiens 3 verset 19, nèg ki reme madame li tout bon, la respecter femme là. Li pa jam ni fè ni di bagay pou dégrader fòm nan, pou dévaloriser fòm nan. Bien au contraire, il va veiller au bien-être de sa femme. Ki t'aime ajouter pour ou même deux bagay. 1. Ici, nous parlons compétition, nous parlons concurrence fòm ak garçon qui est-ce qui plus respecté rôle yo nan foyer. Nou poko la. 2. Apprendre ça. Tout ça impossible avec propre force physique ou mais li kapab possible par la grâce de Dieu. Si ou wè niveau basse l'amour ou gen pou madame ou ap diminuer, mande bon Dieu grâce. Et tant pri, kite grâce la rentre dans cœur. Bon, si nous font ti tourner dans Éphésiens 5 verset 25, ou ap wè le Christ, le sauveur de l'église, li pa bay Mario yon l'autre option. Mario genye yon seule option, remè madame yo, même Jean Christ remè l'église là. Kris pa di Maria, bon, lò san tou gon bezwen, ou pa kapab ankòr, ou san tou vle kanpe sou plizye piye, en ben ou pa gen le chwa, eme votre fam. Non, Kris pa di sa. Isi, Kris don un komandman. Mari, dan le bon ou dan le mouvè jou, eme votre fam. E la parole de Dieu va ankòr plu loin. Mari, vous devez aimer votre femme de la même façon, avec la même attitude, avec la même démonstration d'amour, avec les mêmes motivations que Christ a aimé l'Église. On dirait que là j'entends le murmure de certaines femmes. Plutôt était vrai, Christ. Tendez bien, l'amour Christ pour l'Église là, c'est un bagage spécial. Et principal objectif l'amour ça, c'est pour capable préparer l'Église là, pour présenter à Dieu. Jean bon Dieu vle liye a. L'amour yon mari pou madame li, c'est un bagage spécial. L'amour sa gen pour objectif pour préparer madame la, pour présenter le bay bon Dieu, non pas avec les larmes aux yeux, non pas avec les besoins insatisfaits, mais une femme heureuse, comblée,
satisfait, épanoui, fier de sa relation avec son mari. Une femme que le mari nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Monsieur Bagayon Pile, mais n'oubliez pas, la grâce de Dieu est disponible pour vous aider à remplir efficacement vos rôles dans le foyer. Merci pour votre écoute et à la prochaine.